Bonjour à tous, donc là aujourd'hui on va se retrouver pour que je vous montre comment on démonte un fusil 3 coups semi-automatique. Donc pour commencer tu vérifies qu'il soit pas chargé. Donc vas-y, là c'est bon, il est pas chargé, tu mets la sécurité. Hop, voilà, t'as mis la sécurité. Et tu le mets en direction pas trop dangereuse, genre vers la maison des voisins par exemple. Donc une fois que t'as fait ça, hop, tu commences à dévisser ce petit truc là. Donc normalement ça vient tout seul. Hop. Ah, ça me gratte. Bon, ça me gratte plus. Hop. J'espère que ça filme bien. Hop. Tu démontes ça. Hop, tu le mets par là. Après, t'enlèves ça du coup. Hop. Tu le mets par là aussi. Tu dévisses cette petite bague. Oh, c'est bon, ça vient tout seul. Ah, il chimoise. Voilà, tu la mets là. Après, normalement. Hop, tu peux sortir ton canon. Voilà, donc là, tu as sorti ton canon. C'est pas mal. Il y a tout qui est bon là. Hop, tu mets ton canon là. Comme ça, tu peux mieux le nettoyer. Ton canon, c'est plus simple. Hop, tu peux tout nettoyer après. Hein. Hop, tu sors cette bague. Donc voilà, hop, tu la mets là. Après, on va essayer de sortir la culasse. Donc, pour sortir la culasse, faut sortir ce petit truc là. Ce petit truc là. Je sais pas comment on appelle ça. Donc là, c'est un peu galère. Bah attendez, comment j'ai fait tout à l'heure? Du coup, en fait, faut avancer ce petit truc et tirer en même temps. Jusqu'à ce que ce soit au bon endroit. C'est le truc le plus galère à faire. Voilà. Putain, j'ai réussi. Parce qu'en fait, faudrait avoir trois mains. Faut tenir la culasse. En fait, c'est juste qu'il faut tenir la culasse et la charger. Enfin, au milieu, parce que sinon, tu galères. Faut pousser ça, il faut tirer le truc en même temps. Donc, il faudrait trois mains. Bon, une fois que t'as sorti ça, ben, c'est très simple. Hop. Tu peux tout sortir là. Tu sors du coup ta culasse. Ton ressort. Donc, voilà, t'as à peu près tout sorti. Bon, la culasse, hop, tu. Elle peut se décrocher. Tu vois, bon, il y a ça qui peut se barrer, donc tu regardes un peu comment c'est fait. Ça qui peut se barrer, il y a la culasse aussi qui peut se barrer. Donc voilà, allez. C'était. Et là, t'as le percuteur. Regardez, le percuteur, c'est juste ça. Donc voilà, donc là, vous avez plus que. Voilà, je vous ai montré comment on démonte son fusil. Donc voilà, il est assez bien démonté. Après, tu peux démonter le système ici en enlevant les deux goupilles. Ben, je vous le montre dans une autre vidéo. Parce que là, du coup, bah, c'est comment démonter son fusil. Là, j'ai un peu la flemme de le faire maintenant, l'autre. Donc voilà, après, là, tu peux tout nettoyer. Et puis voilà. Voilà, c'est tout. Allez, mettez des pouces bleus si ça vous a permis de démonter votre fusil tranquillement. Après, il faut réussir à le remonter, tu vois. Ça, faut le remettre comme ça. Bon, c'est un peu galère. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que ça, c'est le percuteur? Je suis même pas sûr, en fait. Peut-être j'ai dit une connerie. Non, c'est ça, le percuteur. Bon, j'ai dit une connerie. Bon, allez, à bientôt les gars et abonnez-vous.